Salam alaikum, bonjour, hello. Moi, je suis Mohamed Ben Cherif, le directeur du recrutement international pour le réseau LCI Éducation. C'est un réseau canadien qui puise son origine dans les années 50, qui a débuté à Montréal, au Québec, au Canada. Ce que nous offrons pour les étudiants africains et partout dans le monde, c'est un accès direct au marché du travail par le biais de formation technique préuniversitaire ou professionnelle qui mène vers une carrière sûre dans divers domaines. Donc, non seulement on forme les jeunes dans l'art, le design, la mode, mais également dans tout ce qui est business et technologie. On a aussi les sciences et techniques humaines, l'hôtellerie et le tourisme, en passant par tout ce qui est art numérique, art visuel, et bien évidemment les jeux vidéo. Nous avons aujourd'hui un réseau qui est composé de plus de 22 campus à travers le monde, non seulement au Canada, mais aussi au Maroc, où on s'est investi en Afrique il y a plus de 30 ans. Donc là, ça aussi présente une opportunité, plutôt une passerelle pour tous les étudiants et étudiantes qui préfèrent peut-être une solution plus abordable, mais en même temps de qualité canadienne. Ce qui nous distingue le plus, c'est vraiment les professeurs. Nos professeurs sont grâce auxquels ces jeunes se transforment de personnes passionnées à de vrais professionnels dans les différentes industries. Nous avons comme par exemple plusieurs étudiants de la Côte d'Ivoire qui empruntent non seulement nos campus marocains, mais surtout nos campus canadiens. Nous sommes présents à Montréal où nous disposons nos formations dans les deux langues, français et anglais. Et on a aussi plusieurs campus qui offrent non seulement des diplômes, mais aussi des bachelors. Et ça se trouve en Colombie-Britannique, dans la ville, la belle ville de Vancouver. Donc là, ce que nous proposons aux Africains, c'est comment devenir de vrais entrepreneurs dans ces différentes disciplines. Pourquoi ceci est important? Pourquoi l'expérience canadienne est importante? Parce que là-bas, on a pas moins de 60 pays. Donc imaginez vos nouveaux amis qui vont être de partout dans le monde. Imaginez comment vous allez non seulement établir un nouveau réseau, mais vous allez le mobiliser par la suite de votre retour au pays. Pourquoi ceci est important? Parce que on va vous transférer en un acteur économique. Et par la suite de votre expérience en Amérique du Nord, vous allez retourner plus fort, plus confiant. Donc vous allez peut-être vous établir étant entrepreneur. Vous pouvez peut-être même répondre aux exigences du marché. Vous allez pouvoir employer beaucoup de jeunes, beaucoup de familles qui peut-être n'ont pas, comme vous, la possibilité d'aller ailleurs. Donc vous allez les motiver par les biais des meilleures pratiques dans les différents domaines, que ce soit dans la mode, dans la gestion ou encore une fois dans tout ce qui est tourisme. Donc imaginez cette opportunité. Pour les parents, bien sûr, on offre l'opportunité d'offrir à leurs enfants l'indépendance. L'indépendance économique, l'indépendance professionnelle, mais surtout de grandir fort, de développer leurs propres ailes avec lesquelles ils vont pouvoir voler. D'accord. En un mot, vous formez des non-chômeurs, vous formez des entrepreneurs. Exactement. Vos écoles n'accueillent pas des gens. Pour exemple, de la communication, de la télévision et du cinéma, nous avons de vrais professionnels qui ont puisé leurs efforts dans cette industrie plus de 10 ans, plus de 20 ans. Donc ce qu'ils vont vous donner, c'est non seulement la théorie, mais surtout la pratique, l'aspect réel de comment vous allez résoudre les problèmes dans ce domaine. Et non seulement ça, on offre même des programmes où l'aspect travail, il est intégré, c'est une partie intégrale. Donc ça va vous permettre de vraiment vous tester, mettre en pratique vraiment les compétences que vous allez acquérir chez nous, et ce dans différents modèles. Donc nous avons cette opportunité de vous offrir, et ça prend uniquement un investissement de 3 ans. Pour vous donner un ordre de prix, ça coûte chez nous à peu près, et je vais parler en français CFA, ça coûte à peu près 7 millions de francs CFA de frais de scolarité.
L'avantage au Canada, par exemple, si on prend ça as an example, vous pouvez travailler et en même temps d'étudier. Ça, c'est votre droit. Vous pouvez travailler pendant 20 heures pendant les études et jusqu'à 40 heures pendant les vacances. Donc, ça vous permet déjà d'avoir de l'argent de poche avec des ressources pour pouvoir, pas peut-être financer vos études, mais surtout vos frais de substance. On a aussi la possibilité de développer la langue parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'anglais, it's a must have, comme on dit. C'est vraiment un portail vers l'entrepreneuriat à l'international. C'est comment on va conjuguer l'Afrique francophone avec l'Afrique anglophone. Donc, c'est très important. Donc, pour être non seulement un acteur économique, mais quelqu'un de performant, on a aussi nos écoles de langue qui sont intégrées dans le même campus, qui abritent plus de 4000 étudiants qui proviennent de plus de 60 pays à travers le monde. Donc, là encore, vous êtes dans ce qu'on appelle un one-stop shop où vous pouvez apprendre l'anglais. Vous pouvez aussi apprendre l'espagnol qui est aussi très répandu, surtout dans l'Amérique latine. J'aimerais vous dire, chers Africains, que moi-même je suis marocain. Donc je m'inscris dans cette optique. J'ai passé 9 ans aux États-Unis, 2 ans au Canada. Et grâce à cette expérience variée, mais surtout enrichissante, je suis là devant vous. Je maîtrise au moins 3 langues. Et je suis ici pour vous dire, prenez courage et surtout parlez aussi aux parents, de les encourager parce que là, c'est un investissement. C'est comme si on décrivait votre parcours en un 100 mètres. Donc là, les parents ont déjà parcouru 80 mètres et moi, je veux les encourager parce que le meilleur est à venir. Donc après 3 ans, vous allez permettre à votre enfant non seulement d'avoir les compétences pour devenir finalement un vrai entrepreneur, mais vous serez tellement fier comme quoi il va devenir surtout indépendant financièrement, indépendant par rapport au choix de carrière et surtout revenir par la suite de cette expérience et faire bouger l'Afrique.